Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, simplement? Eh bien, on peut essayer. Prêt? Oui. Alors, pousse! Vous allez devoir nous rattraper! Quoi? Amicia! Suis-nous! Ça tendra plus en avant! Allez, viens. Il faut qu'on trouve un chemin. Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île... Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment? La question, c'est où? Il faut qu'on la trouve. Et votre mère? Ça m'est égal. Mais toi, tu vas devoir choisir ton camp. C'est... C'est ma magistrat. Essayons par ici. C'est calme. Oh, c'est quoi ça? Pas de panique. C'est juste un cerf qui brame, je pense. Oh, Seigneur. J'avais oublié qu'ils existaient. La saison des amours doit déjà avoir commencé. C'est comme si rien n'avait changé pour eux. Le cours de la nature ne dévie jamais. Le chaos qu'on affronte doit en faire partie. Sauf qu'eux font la cour, alors que nous, on essaye juste de survivre. C'est vrai. Repartons. Après toi. Un passage. Allez, suis-moi. La rivière est là. Les voilà. Bon sang. C'est encore pire, vu d'en haut. Cette odeur est insoutenable. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Hé hey, ils sont là-haut. Amicia, reviens. On arrive. Il y a un chemin qui descend. Faites vite. Oui, qu'est-ce que c'est? Non, non, non! Que se passe-t-il? C'est eux! Ils sont déjà là! Oh, on est en sécurité, je crois. On a eu de la chance. Il y a des brasiers de l'autre côté. Cette botte de foin de... Allez, cours! Oh! Bon, c'est un début. On est encerclés. Il y a forcément un moyen. Ces grues. Oui.
Si elles peuvent déblayer le passage... Et celle-ci a une manivelle! On devrait tenter le coup. Lucas, c'est pour toi. D'accord. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu ce trou? Ce dont ils sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Ne suffira pas. On va y aller. Oh, oui. Formidable. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Occupe-toi de ça, Lucas. Bien. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. Quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Non, Lucas, qu'est-ce que je fais? Attrape ça. Frappe le sol avec. Va jusqu'à l'escalier. Elle a l'air de faire tout le tour. Tiens bon, Lucas! Rien de presse! Je ne vais pas jusqu'ici. Cette grue déplace ce ballot de paille. Ça pourrait être utile. Rejoigne.
à la faire. Oui, beau lancer. Belle réception. Bon, à moi. Seigneur. Tu peux y arriver, continue de courir. Oui, c'est juste des rats. Hein? Je connais les rats. Et alors, j'attends quoi? Allez, allez, ya! Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Ah! Ouais, tu cours plutôt vite. Merci. Une bonne motivation, c'est la clé. Bon, on a une autre botte de paille. Je l'enflamme et on court. D'accord. Prépare-toi. Maintenant. Allez, allez. Ah, on a réussi. J'adore ton cri de guerre, en fait. Merci. Ça m'aide à prendre de l'élan. Je crois. On est tout proche. Respire. J'essaie. Ça devrait me simplifier un peu la vie. On y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ce sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Baudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Lucas, tu dois le faire. Bien sûr. Cette manivelle, ça contrôle un bac. Il n'y a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. C'est pensé. Peut-être de l'autre côté? Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose pour entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Tout de suite. Alors? Tu trouves un passage? Il y a un trou, là. Je descends. Sois prudent. Oh, oh Seigneur. Oh. Est-ce que ça va? Je vais bien. Il y a des morts partout. Sors de là. Non. Ça va aller. Pardonnez-moi. Je t'envoie le bac.
Oui, pitié. Reviens. Oui, j'arrive. Ça devait être horrible. Oui. Oh. Tout va bien? Oh. Prête? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. Tu peux arrêter maintenant. Naturel. Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'or. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île. Pas maintenant, Amicia. Très bien. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose ? Je cherche ! Il y a forcément quelque chose ici. Ça pourrait marcher. Lucas ! Dégage ! Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le, au moins. Calme-toi. Concentre-toi. Voyons ce qu'il contient. Qu'est-ce qu'on va bien trouver ? Bien, mettons-nous au travail. On se met au travail.
Comment je traverse ça? Encore un sacré pétrin. Calme-toi. Tu es bouleversée. Et tu sais pourquoi. Lille. Tu verras ça plus tard. Reste concentrée. Une étape franchie. Lucas ! Où es-tu ? Mère ! Lucas n'est pas avec vous ! Non ! On l'a perdu de vue ! Comment ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Je devrais pouvoir revenir maintenant. Dans le pied. Viens ici, j'ai besoin de toi. Marcher. Où es-tu ? Il va falloir que je grimpe encore. Le chariot était de la bonne. Allons-y. Bien. Trouver une île. Comment tu vas faire ça ? Peut-être en demandant à Joseph. Discrètement. Les hommes d'Arnaud! Ne me touchez pas! Tu vises et tu tires, c'est simple! Recharge avec la manivelle! D'accord! Qu'est-ce que vous dites de ça? Lucas, est-ce que ça va? Je tremble comme une feuille! Merci! Il y a trop de rats! Je ne peux pas vous rejoindre! Amicia, dégage-lui un passage! Comment? Fixe de l'ignifère sur la pointe de tes carreaux! Vise un morceau de bois, comme ça il devrait continuer à brûler! Compris! Lucas! Je te dirai quand la voie sera libre. Merci. Ça ira. Je commence à voir un chemin. C'est bon. Tu peux venir. Oui. Bravo. J'arrive. Est-ce que ça va? Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'étaient les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Vite! Vas-y. Essaie! Oui, d'accord. Robbie,
ne nous arrêtera. Pas après tout ça. Pourriture ! Libérez le bateau. Coupez les cordes. Thank you.
si vite. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non! Je suis là. Voyons comment tu te bats contre un guerrier en armée. Pourquoi tu fais? Viens lui faire. Je suis venu pour toi. Le bateau, Sam-le, retourne aux cordes. Regarde-toi, prise au dépourvu. Tu es censé te débrouiller. Je dois atteindre le bateau avant lui. Dépêche-toi de bouger. Tu dois l'arrêter. Fais quelque chose. Je trouve rien ici. Il est encore chaud, c'est pas très malin. Enfin trouvé. Non. Je suis trop loin. Si tu les touches. Hugo. Plus vite! Chauffez-la! Reste où tu es! Oh! Alors on joue plus? Tu vas voir si chaud! Dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo ! Regardez ça. Voilà tes renforts. Hugo !
pas mourir, hein? Non. Remontez! On n'a plus beaucoup de temps! Qu'est-ce que vous attendez? Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Ils savent pas naviguer en bateau. Hmm? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, d'accord? Oui. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Demi-tour? Non. On risque de retomber sur ces mercenaires. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non. Ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Waouh ! Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Leur bateau coule. Hugo. Est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Attends. Tu vois cet arbre? Je suis sûre que je peux l'attendre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même?
Montre-moi ça, alors. 3, 2, 1... Hé ! Toi, t'es qu'un poulet ! Oh, oh non, ça saigne encore. J'ai gagné ! Ça va passer. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui! On cherchera d'autres nids, et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui! D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies... fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh non. La prochaine fois, je t'écraserai. Tu entends ça? C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Un marché. Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur, Perreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome? Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Attention, les enfants. Doucement. Salut, Loa. Les anciens semblent tenir le rythme. Oui, ils sont robustes, ceux-là. Oui, leur foi est forte. Bonjour. Bonjour. Salut. Oh là, une balançoire. Oh. Celle qui était chez nous était toute cassée. Vas-y, je vais te pousser. Vraiment? Tu préfères pas y aller? Non, je te pousse. Tu es fatiguée. C'est parti. Ne te fais pas mal, hein? Ça va. Ferme les yeux et imagine que tu voles. Il y aura une balançoire de notre nouvelle maison. On en trouvera une avec plein d'arbres autour. Oh, oui, des pommiers. Dis, j'ai volé assez longtemps, je crois. On repart? Oui. Eh ben, merci. C'était apaisant. Vite.
vivement qu'on ait la nôtre. D'abord l'île, ensuite la maison. Ce temps restait clément. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez, viens. Peut-être. Dis, Janine, si il ne te resterait pas du sel par hasard? Tu es déjà des milliers, à court. Des milliers, on est plus nombreux depuis l'arrivée du dernier groupe. Toujours plus de tambouilles à préparer. Oh, laisse-moi finir de balayer, je t'en donne. Essaie de pas trop en mettre quand même. Ça leur donne une excuse pour boire plus. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoivent les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonnes gens. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité. Allez. Dans tes yeux. Mais, quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Faites place! Sortez de vos tentes! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de nouveau venus dernière attention. Des intrus? Oh, des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, hey, faites attention. Reculez. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous! Moi?
Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Menez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils n'auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp. Étendez les recherches. Oh non! Vite! Arrêtez! Ah, ils sont là! Cours, Hugo! Droit devant! Avec moi! Ah, ici! Côté! Ma sale patte! Ah, oh non! Hugo! À moi! Ils sont là! J'ai besoin de votre aide! Amicia! Lève-toi, on doit partir. Oui, oui. Oh, ça tourne. Ta main. Tu saignes encore. Oh, Seigneur. Poursuivez-les. Amicia. Tu es là. On doit partir. Oui, il faut qu'on avance. Où on est? On dirait... une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir. Je ne sais pas s'il y a un autre chemin. Les gars, on vite. Allons à l'intérieur. On ne doit pas rester à découvert. Voyons ce qu'on peut faire. On va y arriver. Maintenant, on sait où est la mer. Je m'en fiche. Je veux juste que tu ailles bien. Oui. Je vais faire en sorte. Ils sont... Je sais pas. Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats? Oui, je... j'ai perdu la tête. Tu me l'avais pas dit. J'avais trop honte. Allez, reste concentrée. Amicia, ta tête. Je sais, mais on peut pas s'arrêter là. Ne t'inquiète pas pour moi. Vas-y, Hugo. Oui. C'est ouvert. Bien joué. Est-ce que c'est les soldats de la ville? Oui. Ils étaient gentils, pourtant. Ils avaient l'air gentils. Mais ce n'était pas le cas, crois-moi. Descends prudemment.
Bien, mettons-nous au travail. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais ? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi ? Oui. Ne t'en fais pas. D'accord. Sois prudent. Ah. Oui. Les environs. Je les vois. On n'est pas seuls. Ils sont là. Des soldats. Attends. Comment ? Les rats. Ils sentent le sang des gens. Vas-y, les laissez. C'est comme un bruit. Ou un écho. Alors, ils sont où ? Pas loin. Ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord. Allons-y, prudemment. Ouvrez-la, les soldats. Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs ? Cette mine n'est pas abandonnée, si ? Oh, commence pas avec des fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. Là. Ta tête sort toujours. Ça va. Les rats, Hugo. On doit s'en inquiéter. Est-ce qu'ils arrivent ? Non. Ils sont loin. Pour l'instant, concentre-toi bien sur eux. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. Qui c'est ? Un des chiens de guerre de la muraille ? J'en vois d'autres. Tu t'en sors bien. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là ? Elle est possédée. Il faudra brûler son corps. Va au diable. Thank you.
Partez. Oublions ça. Cache par là. C'est ce qu'ils sont là. Arrêtez-les. Bon sang. Vite, faut arrêter ces intrus là-bas. Bougez-vous. On a des intrus. Venez avec moi. Il y a des intrus. Prends-toi. Non, ils nous trouveraient. On doit atteindre ce bâtiment. C'est une église ? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus sûr. On les a signalés par ici. Fouillez partout, trouvez la sorcière. Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des bouchers. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. N'oubliez pas, le comte d'Arles veut débarrasser ses terres de la vermine. Thank you.
y est presque, Amicia. Oui. On y est presque, Amicia. Avoir vu quelque chose là-bas. On est sur leur chemin. Rien à signaler.
toi si tu ne te sens pas bien. Je me... Chut. Silence. Qu'est-ce qui bouge là? Oh! Je sais pas! Avec moi! Arrêtez ces intrus! Te lever. J'ai pas le choix.
s'en va. Tu les as vraiment contrôlés? Oui. Ils me laissent les utiliser. D'accord. Partons d'ici, maintenant. Il faut du feu pour passer. Comment tu te sens? Je les entends toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés comme avant? C'est différent. Cette fois... j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La Macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Je les entends toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés comme avant? C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La Macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Commence à avoir froid. Dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer. Oh, du tissu, tout neuf. Ton bandage est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. D'accord. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. C'est mieux, j'espère.
cet endroit. Comment on va? On va y arriver. Amicia, il y a des rats cachés dans les cuves. Peut-être que tu pourrais les faire sortir.
Sarah m'appelle. Ils aiment bien quand je les utilise. C'est pour ça que tu dois rester vigilant. Je sais, mais ça ne s'arrête jamais. On va devoir sauter. Tout de suite. Quelqu'un qui rôde. Criez si vous voyez quelque chose. Bon. S'inquiéter. Pourquoi il se relève pas? Thank you.
nous aider. Qu'est-ce qu'on va bien trouver ? J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Te voilà enfin. Payez pour ton insolence. Après toi connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi. Sale sorcière. Je te fracasserai la gorge. Tu es sûr? Vas-y, vite!
contrôle, Hugo. Je l'ai déjà fait. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des monstres. Calme-toi. Je te sens que tu vas perdre le contrôle. Je ne suis pas un monstre. C'est ça. Venez. Ils vont tous vous manger. J'en ai assez de vous. Je vous hais, vous et votre armée. Il est fou. Il faut l'arrêter. Envoyez-nous plus d'hommes. Arrête, je perds le contrôle. Hugo, Hugo, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Hugo. Il faut qu'on sorte d'ici. Quoi? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je vais nous sortir de là. J'ai recommencé. Je vais y arriver. Réveillé. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi? Non. Amicia. Et chez nous, on avait un chien. Mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. On y est? Où est le bateau? Où il est? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Je voudrais vérifier. Je peux? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. Laisse ta blessure à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués ou ont filé.
Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. L'étau se resserre, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. Amicia, viens! Viens voir! Oui, j'arrive! Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens cette odeur? Eh bien, je sens les chevaux et... Oh, Seigneur, c'est moi, ça? Non, ça sent les algues. Allez, viens! Attends, il faut qu'on parle! Pas maintenant! La mer est juste là! Hugo! C'est important! Hugo! Donne-moi tout ton art! J'espère que tu ne lui as pas dit tu pour tes rêves et pour tout le reste. Hugo, reviens! J'ai pas envie de jouer! Je ne parle pas au poulet! C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit... Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah, c'est trop haut! Saute, je te rattrape. Wow! Hé, attention! Merci. Bien. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, regardez en bas. Arrêtez de courir comme ça. C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Oh, il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats! Chargez! Chargez! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh! On vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Oui, ils ne reviendront pas de sitôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Mmh.
Ça doit venir d'un oiseau marin. Une mouette? Sûrement. Et maintenant, elle est à toi. Tiens. J'aime bien les mouettes. On appelle ça des mouettes rieuses, ici. Quoi? Tu vois? Tant de... Si. Viens, on s'en va. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça? Pas sûr. Je suis tellement faible. Quand tu... Bien. Continuez. Arnaud! Quoi? Recule! Nom de chien! Oh merde! Merde! Il t'aime bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui! Malade, bordel. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Doucement, d'accord? Oui. Tranquille. Comment? C'est fait. Allons-y, alors. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? Sale morphale. Sans vouloir vexer le petit gars. Donc tes contrebandiers sont par là? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Ils sont des millions! T'es content? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Hé! C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. D'accord. Allez, monte. Oui. Bon, regarde. Les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non, j'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant... Ce sera utile. Ce petit bâton... Suis-moi, point. Yeah.
près de moi. On y va. Je te fais confiance. Et me serre pas comme ça, ça ne fera pas aller plus vite. Désolé. Mais c'est assez dur de garder son calme. On l'a déjà fait plein de fois. Oui, ben, je vous plains. Et voilà, facile. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, petit gars. Oh non. Quoi? C'est quoi ça? C'est un nid. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. Et si? On ne devrait pas. C'est ça, ou on reste ici. Un chariot! Ces contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Allez, respire un grand coup. On y va. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûr de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Cette odeur... C'est quoi cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... avec les choses qu'ils attrapent. Comme des gens. Oh, bon sang. Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire là-bas. Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. Ah, c'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à Lacuna. On te soignera. C'est de la folie. Faites que ce soit utile. Ça fait quelle taille, ça? Ça pourrait être géant. Par ici, je pense. Attention. Qu'il me regarde comme une tranche de viande rôtie. Hugo, on devrait partir maintenant. Quoi? Pourquoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et moi encore plus. Mais on a besoin de lui. Hé! Hey, j'ai besoin de vous ici. Je... Bon, très bien. Amicia, regarde! Les cristaux jaunes de l'épisanguis. Tout seul. Je dois rajouter quelque chose. De quoi rendre ça volatile.
Du salpêtre, peut-être. Voilà, de l'odoris. Essayons-le. Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas. Oui, si tu le dis. De toi avec cet appât? Il a raison. Le sol est bizarre. Oui. Je vais trouver autre chose. De toi avec cet appât? Il a raison. Le sol est bizarre. Oui. Je vais trouver autre chose. Bon. Allez, c'est compris. Rapprocher. Je ne peux pas te rejoindre.
suis prêt. À ton signal. Parfait. Ça ne marchera pas tout seul. Je dois rajouter quelque chose. Voilà, de l'odoris. Essayons-le. Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas. Oui, c'est une grille. C'était, mais tu vas sauver la mise. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Occupe-toi de ça. J'y vais. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique. Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'odoris. Laisse-moi voir. Voilà, ça devrait tenir. Dis-moi quand je peux relâcher. Ça ira comme ça. En avant. Laissez-moi. Reste avec moi. Je peux compter sur toi. Content d'être en vie? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau un bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon. Il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non. Je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez! J'ai une idée! Tire un carreau enflammé sur mon bouclier! Quoi? Mais il va brûler! Il a vraiment l'air de s'en soucier! D'accord. Je vais le faire.
Ah, je l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez, traînez pas. On y va. On va y arriver. Je vous le dis, dégagez de là. Oui, ouf. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah, c'est ça. Reculer devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. Ah. C'est ça, la guerre. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. C'est bon. Ah. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. Bien. Mettons-nous au travail. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Oh ! C'est la grosse épave ? Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle ? Oui, Sophia, le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On peut plus le lire. Oui, ce Raffio a connu beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Ben, trouve-en un autre. Je peux ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Je pense qu'il le mérite. Il s'appelle... Le survivant. Ça y ressemble, c'est vrai. En fait, rien n'est jamais mort avant d'être totalement enterré. Laissons-le se reposer. Il l'a bien mérité. Tu viens ? Vous m'aurez pas. Succès avec les rats. Je savais que tout ira, ce n'est pas normal. Dis-moi, ces contrebandiers, ils sont combien ? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte ? Oh que non.
faire mieux. Je jure que je retrouverai le meurtrier. Pourquoi vous êtes si agressif ? Chercher ici. Je sais où vous êtes maintenant. Oh non. Vous voilà. Normal.
quoi. J'ai hâte de te montrer ce qu'on fait. Non, mais j'aurais peut-être pas le choix. On est de l'autre côté de l'épave. Où on va maintenant? La torche, en bas, près de l'épave. C'est par là. Bien. J'espère que Sophia y est toujours. Quoi? Pourquoi elle y serait pas? Oh, elle peut être assez imprévisible. Non, 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 il faut qu'elle soit là. S'appelle la rascasse. Un poisson du coin avec des épines venimeuses. On l'appelle aussi poisson scorpion. Oh. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi. Thank you.
cimetière de bateaux ici. Les courants sont traîtres dans le coin. C'est par ici? Oui. Un passage discret pour les invités discrets. De l'eau? La cachette est tout au fond. Non! Non! J'ai peur des vagues! Oh, allez. C'est rien que de l'eau de mer. Elle a raison. Mais... Hugo, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues. On est presque arrivé. On peut en discuter après. Ah, commence pas, toi non plus. Assez. J'ai peur. Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi? Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Maintenant, tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Bon. Merci, Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Au risque de te déplaire, c'est mieux si je passe devant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton rafio. On doit aller à Lacuna. Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y.
Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Vendu. Et au fait, les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors, c'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer ? Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Un orage de chaleur, sûrement. Vous voyez cette lumière ? C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps ? Viens-vous ! Bon sang, non ! Reste là ! Qu'est-ce que tu fais ? Hé ! Arrêtez ! Joli travail. Maintenant, il y en a un autre qui arrive. Et alors ? Je peux m'occuper de lui. Tu n'as qu'à me le dire. Commande et j'exécute. Seigneur. C'est là que vous... Ah non, occupe-toi de celui-là. Yeah ! C'est toi ou moi ! T'as perdu ! Bien joué. C'est mon métier. Oui, je vois ça. Attention en descendant. Tout de suite. Arnaud, charge-toi de lui. Arrêt au combat. Yeah ! Vite fait, bien fait. J'étais sûr de gagner. Il est à toi, Arnaud. Vous ! Ne bougez pas ! T'as perdu ! Que c'était que ça.
Arno. Parez au combat. Vite fait, bien fait. Occupe-toi de celui-là. Toujours prêt à me battre. Arrêtez! Vous n'avez rien à faire ici. Désolé. T'avais aucune chance. Il est à toi, Arno. Allez au combat.
Arnaud, charge-toi de lui. Toujours prêt à me battre. Ah, vite fait, bien fait. Occupe-toi de celui-là. Je suis prêt. Arrêtez-vous. Ils savent qu'on est là. Arnaud, charge-toi de lui. C'est toi ou moi. T'es sûr de gagner. Ils ont disparu d'un seul coup. Arnaud, occupe-toi de celui-là. C'est toi ou moi. On monte. D'accord.
toi, Arnaud. Je ne devrais pas être ici. Plus fort. C'est rien, c'est juste un orage. J'espère que ça va se calmer avant qu'on arrive au bateau. Espérons déjà qu'on arrivera jusque-là. Porte malheur, je te dis. C'est rien sur bateau. Il s'appelle la Rascasse. Il porte malheur, ce poisson. Tout porte malheur avec toi. Allez, reprends ta patrouille et essaie de pas t'endormir. On se rapproche. Rascasse. C'est rigolo comme nom. On continue. Charge-toi de lui! Je suis prêt! Par ici! On a ta compagnie! Ah. 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 Il ne doit pas être! Il est à toi, Arnaud! Yeah. Viens là, toi! Ah. T'as perdu! Charge-toi de lui! Désolé, t'avais aucune chance.
à toi, Arno. Toujours prêt à me battre. C'est toi. La lumière. J'ai envie de me croquer, hein.
Là. Faut aller voir de plus près. Vous là ! Arnaud, charge-toi de lui ! Vous comprenez que j'étais sûr de gagner. Le bateau a l'air très grand de vrai. Ouais, mais là, on a un problème, il porte une armure.
voyons ce qu'il contient. Ça a l'air sûr. Oui, ça ira. C'est là, Amicia. On peut aller le voir en attendant Sophia. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Je connais à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. T'as repris ton souffle ? On peut y aller. On se met au travail. Ça a l'air très bien. Alors, voilà la Raskas, c'est ça? La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmée.
Hugo? Je suis là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui, à la cabine. Alors, comment on met ce rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers la Kuna. C'est la manivelle à la proue. M'en charge? Oui. Ça pèse son poids. C'est une ancre. C'est fait pour ancrer. C'est bloqué. Sophia, je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Oh, mais ça continue. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Foutu rat. Tu peux faire quelque chose? Je vais voir. De t'apprécier beaucoup? Ça change en fonction du vent. Mais elle m'en doit une, de toute façon. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir tuée quand on m'en a donné l'ordre. Je vois. C'est cette chaîne qui bloque l'ordre. On y est presque. Ton frère verra bientôt la Kuna. J'espère, oui. Ça. Oui. Joli tir. Maintenant, levons l'ancre et mettons les voiles. Il t'aime bien, alors. Tu dois savoir. Hugo est mourant. Quoi? Son sang est empoisonné. Si un remède existe, il est sur cette île. Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y arrivera. J'ai dit, retourne dans la cabine. Oui, capitaine. Finissons-en avec cette ancre. Ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile, surtout. Où vous saillons?
tous suicidaires dans cette famille ou quoi? Tout va bien. Je te tiens. La mer est tellement calme. Rien que l'horizon. Profites-en. Ça m'a fait tellement de bien de dormir. Herbe et onguent. Ce qu'elle a donné à Hugo a bien fonctionné. J'espère qu'il se sent mieux. Quel beau lit. Notre capitaine a bon goût. Cette odeur. De l'encens, ça sent tellement bon. La mer Méditerranée. La Kuna devrait être quelque part ici. Celle-là ou celle-là. Collier, bague. Une dame plutôt élégante, cette Sophia.